Mes problèmes, problème. je lui dis mon fardeau, mon fardeau. je lui dis mes soucis. mes soucis, je lui confie ma journée, elle me...

Le matin très tôt, dès le matin, oh. dès le matin, je me lève, je parle à Dieu. Dès le, matin, dès le matin, dès le matin, dès le matin, je me lève, je parle à Dieu. Effectivement, tôt le matin, je me lève et je parle à Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus, et c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve encore en ce tôt matin où j'ai eu la grâce de m'élever et de parler à Dieu. Ce matin, je voulais partager dans cette marche avec Dieu le sujet qui s'intitule Prépare ton demain, prépare ton avenir, prépare ton éternité. Parce que si tu attends que quelqu'un va préparer ton demain pour toi, si tu attends que quelqu'un va préparer ton éternité pour toi. Si tu attends que quelqu'un va préparer ton avenir pour toi, bien-aimé, rien ne va te réussir. Quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand on accepte Dieu comme notre Père céleste, il nous donne le pouvoir de créer notre demain, de créer notre avenir, de créer notre éternité par sa parole. Le passage que je lis se trouve dans le psaume 33, le verset 9. Il dit, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Que veux-tu de ton demain Que veux-tu de ton éternité Que veux-tu Que veux-tu Que veux-tu de ton bonheur, bien-aimé Si tu veux dormir, rêver, et attendre que tout te tombe du ciel, où tout va venir de ça et là, de par tes amis, de par tes frères, de par tes parents. Au stade où nous sommes, tu vas poireauter et tu vas échouer. Genèse chapitre 1 est simple et bien, où il est dit Au commencement, Dieu créa. La phrase continue Le ciel et la terre. Mais moi, je veux saisir Dieu. C'est-à-dire, avant que tout ne commence, il faut d'abord crier. Il faut crier. Tu veux commencer à vivre, crée la vie. Tu veux commencer à avoir un travail, crée le travail. Tu veux commencer à avoir le bonheur, crée le bonheur. Tu veux commencer à avoir la vie éternelle, mais crée la vie éternelle. La Bible dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que créer son avenir, il va avec la foi en Dieu. Il va avec la foi en Dieu. Qu'attends-tu, frère Qu'attends-tu, sœur Qui va amener le bonheur dans ton foyer Qui va amener le bonheur dans ton travail Qui va amener le bonheur dans la marche que tu as chaque jour C'est toi. C'est toi qui peux créer ce bonheur, parce que Dieu te donne la capacité, Dieu te donne la possibilité, Dieu te donne la force de le faire. Josué chapitre 1 verset 5, Dieu dit à Josué, Nul ne va tenir contre toi tant que tu décideras de vivre pour moi. Si tu veux vivre, crée la vie. Si tu veux mourir, alors crée la mort. La langue a la possibilité de crier et de gérer ces deux choses. Et la parole de Dieu dit, je te conseille de choisir la vie et de vivre. Crée ta vie de demain. Crée ton bonheur de demain. Crée ton avenir de demain. Crée ton éternité par la parole de Dieu. De qui attends-tu Qui penses qu'il viendra faire ta joie Qui penses-tu qu'il viendra faire le bonheur pour toi je dis des choses que j'expérimente, je dis des choses que moi même j'éprouve. J'ai perdu mon père quand j'avais trois, quatre ans, j'avais pas d'avenir. Ma mère, moment après que j'ai perdu mon père, allait refaire sa vie, ce qui est juge, je n'ai rien contre tout ça. Mais ma vie n'avait pas d'avenir, ma vie n'avait pas de suite, ma vie n'avait pas de bonheur. Mais le jour où j'ai eu la grâce de rencontrer le Sauveur, dans les années 1978, à Beaunois, dans mon village natal, j'ai pris conscience et j'ai compris qu'avec Dieu, on peut faire des espoirs. C'est la réalité, c'est la vérité. Tous ceux aujourd'hui qui marchent avec Dieu et qui disent qu'ils n'ont rien vu, ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur affaire. Moi, depuis le jour où j'ai pris l'engagement de marcher avec le Seigneur, où j'ai fait ce que je peux pour être honnête et sincère, parce que le début c'était un peu par-ci par-là. Demain je suis bien, après-demain c'est pas. Mais le, depuis le jour j'ai compris que il fallait que je remette toute ma vie au Seigneur. Les données ont commencé à changer. J'ai commencé à créer mon atmosphère, c'est-à-dire le bonheur de ma vie, la joie de ma vie. J'ai commencé à créer mon demain. J'ai commencé à créer mon avenir. J'ai commencé à créer mon éternité. Et tout ça m'appuyant sur la parole de Dieu. La Bible dit que je peux amener à l'existence ce qui n'existait pas de par la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et la Bible dit d'une manière simple dans Jean 1. L'évangile de Jean, le chapitre 1, 11, 12 et 13. Elle est venue chez les siens, les siens n'ont pas accepté, mais tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le fait d'être enfant de Dieu me donne le pouvoir de créer mon demain, de créer mon avenir, de créer mon bonheur, de créer l'atmosphère joviale dans mon foyer, de créer la communion fraternelle avec mes enfants, de créer dans mon entourage. La Bible dit autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Donc je crée la paix dans mon entourage. Prépare ton demain dès maintenant. Prépare ton avenir dès maintenant. Prépare ton éternité dès maintenant pour ne pas être surpris. Si tu veux être surpris, bien aimé, alors dors sur ton laurier. Compte sur ceux qui t'entourent. Crois sans les actions. La parole de Dieu, elle est claire. Elle est tellement claire. La semence se fait dans une bonne terre. Ensuite, on prend le temps pour entretenir cette semence. Ensuite, on patiente que la semence puisse commencer à produire. Ensuite, on y va pour cueillir quand la semence est prête. Mais tout ça demande du temps. Il faut le préparer. La Bible dit que... La fin vaut mieux que le commencement, d'accord. Mais si le commencement n'a pas créé, comment la fin va être mieux pour toi Il faut amener à l'existence ce dont tu veux vivre demain. La parole de Dieu est claire. Il y a beaucoup de passages que nous connaissons qui disent tout simplement que la prophétie, même si elle tarde, il faut y croire parce qu'elle va s'accomplir. Avec beaucoup de certitude, elle s'accomplira. Mais une prophétie, c'est quoi une prophétie crée ton avenir, crée ton atmosphère, crée ton demain, crée ta joie. Une prophétie, c'est la prophétie qui, <coughs> bref, révèle des choses passées, révèle des choses présentes, mais révèle des choses à venir. Je pense que tu as besoin de créer ton demain. Ta joie, là, il faut la créer. Ta réussite, là, il faut la créer. C'est comme quelqu'un qui travaille, qui ne pense pas à sa retraite, et puis tout d'un coup, il est surpris de sa retraite, et il cherche à faire quoi C'est avec regret et remords. Beaucoup meurent dans leur temps de retraite. Ce matin, juste ce message-là pour t'encourager, que ton demain est entre tes mains parce que Jésus te le remet. Ton bonheur est entre tes mains parce que Jésus te remet ton bonheur. Tu as la possibilité de dire oui, je veux vivre et dire oui, je veux mourir. Vivre, c'est avec Jésus et mourir, c'est dans le péché. Mais ce matin, vis et crois que tu peux créer ton bonheur de demain. Vis et crois que tu peux créer ton avenir de demain. Vis et crois que tu peux créer ta joie de demain. N'attends pas de quelqu'un ta réussite. N'attends pas de quelqu'un ta joie de victoire. Mais Jésus est venu pour que tu sois victorieux et vainqueur pour toujours. La parole de Dieu, elle est claire. Jésus dit, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Je suis en train d'expérimenter cette parole. Jésus qui te comble de vie, c'est une réalité. Jésus n'est pas une, quelque chose qu'on raconte par-ci, par-là, comme un cinéma, comme un brave dans un film qui a rapporte une victoire. Mais il est venu mourir à la croix pour me donner la vie, pour te donner la vie. Et si tu as Jésus, tu dois réussir. Tu dois réussir si tu as Jésus. Parce que Jésus, c'est la réussite. C'est l'expérimentation que je fais, que je suis en train de te communiquer. Si tu as Jésus que tu n'as pas encore réussi. Ce que tu ne l'as pas encore, il faut vérifier. Ça n'a rien à voir avec la prospérité. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est abondant. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais je dis que celui qui veut réussir, c'est Jésus. Et Josué le dit clairement dans le chapitre 1, verset 5 à 9. Il dit, tu réussiras dans tes entreprises parce que Dieu tient à être avec toi. David a dit, depuis que lui, il est devenu... Quelqu'un qui marche avec Dieu, il n'a jamais vu une personne se confier à Dieu et puis qui a été déçu. Si quelqu'un l'a fait, c'est que c'est un menteur. Je suis une expérience vivante, sortie d'une famille très pauvre, très pauvre, avec beaucoup de misère, mais depuis le jour où j'ai eu la grâce de connaître Jésus, ma vie a connu une transformation, un changement. Et aujourd'hui, j'ai pris l'engagement de le témoigner et de prêcher cette parole-là à tous ceux qui veulent l'entendre. Bien-aimé, c'est possible que tu réussisses. Bien-aimé, ton avenir peut être l'avenir de joie, mais crée-le, parce qu'au commencement, Dieu cria. Avant que tout ne commence, il faut le crier. Si tu le crées, tu vas l'amener à l'existence, et à partir de l'existence, le bonheur va fleurir. Que la paix de Dieu soit avec toi, que la joie de Dieu abonde dans ta vie, et que tout ce dont tu cherches, Dieu te le donne en le criant toi-même. Sois béni. Au nom de Jésus, j'ai prié.